Oups, pardon, ça a coupé. Excusez-moi. J'étais en train de vous présenter des perles que j'avais trouvées sur Facebook pour un vide atelier. Donc j'étais en train de vous les présenter. Donc voici un nouveau tube de perles de rocaille, un peu grise. Une petite boîte ronde comme ça, grise également, gris-blanc. Très sympa. J'ai du marron comme ça aussi. J'ai des très belles dorées comme ça. Magnifique. J'ai du vert pomme comme ceci. J'ai du marron. Un peu doré également. J'ai du vert comme ça. J'ai du transparent. J'ai des tubes de beige. Des tubes de verte. Perles de rocaille rouge, du un petit peu, on va dire, très clair, lilas très clair, bâton de couleur rouge, j'ai des petites choses comme ça, un petit peu violet parme également, un peu plus cirisé, j'ai des bâtons verts comme ça, plus foncés, des petites perles de rocaille comme ça aussi, très sympa aussi. Donc, je ne les range pas, mais je devrais dans le sachet. Voilà. Ensuite, j'ai des noirs comme ceci en bâton. De nouveau, des noirs en bâton. Comme ça. Je ne sais pas si on les voit bien. Je n'ai pas l'impression. Voilà. Du doré encore. Du vert. Du très clair comme ça, un peu rose, rosé, des rouges plus foncés. Ensuite, j'ai des perles bleues comme ça, bleu-vert. J'ai du marron, j'ai du blanc, j'ai du doré en bâton, du doré comme ça, un peu ambré. J'ai du rose en bâton. Comme ça, j'ai des nouveaux du noir plus foncé. J'ai les bâtons holographiques de nouveau et j'ai les bâtons encore dorés comme ceci. Donc voilà pour ce sachet où il y avait uniquement des perles à l'intérieur. Ensuite, nous avons encore trois paquets. Donc je vais les poser sur la table pour pouvoir m'asseoir et pour pouvoir surtout. Essayer de replacer les différents sachets que je viens d'ouvrir avec vous pour faire de la place. Donc il y a une carte également que je viens de voir dans l'enveloppe. Alors, je m'installe. Excusez-moi. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de choses dans ce carton. Je vais ranger au fur et à mesure. Sinon, je vais pas m'en sortir. Donc vous verrez dans les deux vidéos d'avant, j'ai montré des petites choses avant que ça coupe ou avant que le téléphone fixe sonne, bien évidemment, parce que ça sonne toujours quand il ne faut pas. Voilà, donc du coup c'est pour ça que ce sera en trois parties. Un petit peu ce que j'ai pu recevoir par cette personne en fait qui vidait son atelier. Pour se faire de la place, comme j'ai pu comprendre. Voilà. Donc, ça, nous avons vu tout à l'heure. Sauf que d'une main, je ne peux pas y ranger. Donc, ça va rester en stand-by pour la fin de cette vidéo. J'ai découvert une très jolie plume noire, comme ça, au fond du carton. Très sympa. J'en ai pas des noires comme ça. J'ai des plumes, mais je m'en sers pas souvent, j'y pense pas. Faudrait que je me note un petit schéma pour voir ce que je peux passer. Parce que c'est vrai que j'ai des plumes, mais j'utilise jamais. J'ai une petite fleur comme ça. Alors, ça ressemble à de la feutrine, mais un peu épaisse. Voilà. J'ai deux très belles plumes comme ça, dorées, qui sont en métal. Donc, très sympa, ça. Très joli. Voilà.
qui était en vrac. J'ai des choses comme ça, un petit peu comme un collier. Enfin, ça ressemble à un collier en feutrine. Donc, noir, bordeaux et gris. Voilà, il y en a trois. Donc, je verrai bien ce que je peux faire avec. Ensuite, nous continuons dans les sachets. Donc, dans ce sachet-là, il y a l'air d'avoir un petit grelot. Il y a des grelots, apparemment. Donc, on y va. Donc, ce sachet-là contient des fleurs grises comme ça, un petit peu satinées. Donc, moi, je les connais blanches parce que blanches, après, je les teinte, je les laisse blanc. Donc là, c'est en gris. Donc, on trouve ça en général dans les rayons mariage, genre Centre-Accord, Jiffy, Foire-Fouille, etc. Par quoi commencer? On va prendre celui-là. Crochet à jupe. Je ne connais pas. Je ne sais pas du tout à quoi on s'en sert. Je sais pas. Si quelqu'un passe par là et sait l'utilité de ceci, bah merci de me laisser un petit commentaire. Voilà, je ne connais pas les crochets à jupe. Je vois pas du tout. Je suppose que c'est en couture, mais après, je suis pas calée pour la couture. Une jolie fleur comme ça, fuchsia et jaune. Voilà. Alors on va rester sur les fleurs. Une très belle fleur verte. Alors la matière, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais elle est magnifique. Très jolie. Jolie en rose également, comme ça. Très sympa ces fleurs là, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est vraiment très intéressant. J'en ai une très jolie aussi comme ça, bleu turquoise. Voilà, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Je suis fan du bleu turquoise, j'adore cette couleur. Bleu saillant, bleu turquoise. J'ai toujours aimé le bleu. Un petit aparté. J'ai des petits sequins comme ça en forme de fleurs. Donc, très sympa. Il y a un petit peu de tout là. Il y a des fleurs, il y a des ronds, il y a un petit ours. Des étoiles. Enfin, il y a un petit mélange. Voilà. Très sympa aussi. Ensuite, de nouveau, un pompon. Hop, deux pompons, trois pompons, il y a un petit, c'est vraiment à mélanger celui-là, sachet. Hein. Donc là, j'ai trois pompons, comme ça. J'ai de nouveau des fleurs grises, comme ceci. Donc voilà, j'ai plusieurs paquets de fleurs grises, comme ça. Voilà. C'est vraiment un mixte hein, de tout. J'ai un sachet, alors je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, ça m'intrigue. C'est des petits trucs en fourrure, je sais pas. Alors ça m'attire pas spécialement. Vous voyez, c'est des petites boules comme ça, en fourrure. Voilà. Personnellement, je suis pas fan. J'ai toujours peur que ce soit des... Enfin, ça me fait toujours penser aux poils d'animaux. Alors, c'est pas que je suis contre... Enfin, c'est vrai que... Voilà, ça, c'est un genre de choses que... Si j'avais su... Bon, c'est pas grave, c'est dans le colis, hein. Mais je suis pas attirée par ça. C'est peut-être pas des poils d'animaux, parce que ça peut être du synthétique. Mais ça m'y fait penser. Et le problème au niveau de la fourrure... Voilà, cherchez le mot, la fourrure. Des fois, la fourrure est faite à partir de poils d'animaux. Donc, on tue des animaux pour la fourrure. Et voilà, ça m'y fait penser. Donc, je suis pas fan de ça. Voilà. Un petit aparté, je suis pas fan de ça, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai un très joli nœud en perles et strass, comme ça.
Voilà. Donc, qui est montée, je pense qu'elle a dû y faire, elle, je suppose, qui est montée sur une épingle à nourrice. Voilà. Donc, je pense que c'est elle qui a dû le faire. Voilà. C'est pas vilain non plus, si c'est elle qui l'a fait. Ensuite, j'ai des fleurs de cette teinte-là. Donc, dans le vintage, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, je prends vraiment au pif. Hein. J'ai cette très jolie fleur. Je pense qu'elle a dû la faire, elle. Ah oui, à mon avis, c'est fait par elle. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que c'était une fermeture éclair avant. À mon avis. Et ça, c'est les dents de la fermeture éclair. Je pense. Donc, si c'est elle qui l'a faite, la dame, là, eh ben, chapeau, parce qu'elle est magnifique. Très beau. Ouais, c'est une fermeture éclair qui a été détournée. Ah, ça, c'est très sympa. Vous voyez, ça, j'aime bien. Voilà. Ensuite, il y a différentes fleurs comme ça en tissu. Donc, je pense que c'est elle qui les a faites parce qu'il y a un rond en feutrine à l'arrière. Donc, j'en ai une comme ça. J'en ai une comme ça. Donc, je pense que c'est elle qui les a faites. Ouais, il y a des feutrines à l'arrière. Ça, c'est du fait main, ça. Ça, c'est deux fleurs faites main. Voilà. Ensuite, que prendre? Des petits sequins bleus. Nuit, comme ça. Très sympa. J'en ai pas de cette couleur-là. Pour faire un effet givré pour Noël, ça peut être pas mal. J'ai de nouveau une fleur en tissu qui a été faite main également. Voilà. Je vois que j'ai des choses qui prennent de la place, comme ces plumes noires. Alors, apparemment, ça a l'air d'être une... comme une guirlande. Donc, il y a des petites choses comme ça, en noir. Ouais, des plumes. Voilà, à l'arrière, il y a du tissu un peu qui fait effet feuillage. Voilà. Il y a des très belles perles noires à facettes. Alors c'est pareil, je ne sais pas si on va bien y voir. Perles noires à facettes. Voilà, enfin, les perles noires. Donc il y a toute une. C'est toute une guirlande. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est très sympa. Petite perle à facettes. Vous voyez, voilà, là, il voit bien. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. C'est intéressant. Ensuite, j'ai. Une chose comme ça, alors en fleurs avec des paillettes, des sequins, voilà, jaune avec des sequins, voilà, c'est pas vilain non plus, ça peut toujours servir, j'ai de nouveau des petites fleurs comme ça un peu vieillies qui pourront me servir pour le vintage, voilà, donc là c'est vraiment un mélange, hein, il y a vraiment de tout. J'ai encore des petits pompons, comme ça, différentes couleurs. Alors, je regarde juste pour voir s'il n'y en a pas d'autres, si jamais il y en a un là. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré des pompons, mais je n'ai pas vu qu'il y en avait d'autres. Il fallait dégrossir un peu la chose avant. Voilà, donc plusieurs petits pompons, très sympa, très très sympa aussi, voilà. À nouveau, un petit pompon vert, là, que j'ai oublié. Voilà. Après, dans les sequins, toujours, on a du violet, comme ça. On a des sequins verts, un petit peu feuilles, je dirais. Donc ça, c'est intéressant aussi, des fois, pour les créas. Donc ça, c'est génial. Super. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai de nouveau un petit pompon rose, comme ceci. Voilà. Après, j'ai le plaisir de découvrir des fleurs, des feuilles comme ça, dorées. Il y a tout un assortiment de feuilles dorées comme ça. Voilà, il y en a tout un paquet. Donc, j'en ai deux comme ça. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai des petites feuilles comme ça, un petit peu métalliques. Donc, ça me fait penser un peu aux feuilles, vous savez, qu'on trouve en ce moment chez Action.
dans différentes teintes. J'en avais acheté quelques-unes d'ailleurs, qu'il va falloir que je pense à utiliser. Donc là, j'ai vraiment des feuilles de deux sortes de chaque. Donc ces deux petites-là, ces deux un peu plus allongées et ces deux plus grosses. Donc c'est un peu effet métallique. Donc ça, c'est super sympa. Merci bien, ça c'est génial. Ensuite, j'ai un petit sachet comme ça, avec différentes petites choses à l'intérieur, brillantes également. Que je vais pouvoir vous montrer. Donc des petites choses très jolies comme ça. Très fines, très sympa. Ça c'est vraiment très sympa. C'est joli ça. J'ai ceci également, très beau. J'ai en doré aussi, très sympa. Ça, c'est très beau, très fin. J'ai une fleur comme ça, deux petites fleurs comme ça. Ça, c'est vraiment super joli. Ça, ça me plaît beaucoup. Et j'ai un petit papillon, enfin, j'ai deux papillons dedans là. Alors, c'est toujours pareil. Pour ouvrir, hop, voilà, regardez, deux beaux papillons avec des sequins noirs, ça c'est très joli aussi, très sympa, ça c'est vraiment une merveille, ça c'est, ça j'adore. Donc je rangerai à part dans le petit sachet de départ, voilà. Ensuite, il y a plusieurs petits nœuds, comme ceci. Donc, je vous montre les nœuds. Bon, il y a des cheveux aussi, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des nœuds, encore des nœuds. Voilà, j'essaye de tout vous montrer au niveau des nœuds. La démonstration par catégorie. Voilà. Tac. Tac, tac. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera bien mieux pour vous montrer après. Donc, des très jolis petits nœuds. Alors, celui-là est très sympa, bleu et doré. Très joli. Un très beau bleu encore. J'adore le bleu, alors magnifique celui-ci. Un très joli petit nœud marron et beige à point noir. Très sympa. C'est vrai que des nœuds, je pense jamais en acheter. Et c'est vrai que des fois, ça peut être sympa sur les créas. Bleu et rouge. Et après, j'ai tout un assortiment de petits nœuds marrons, comme ça, avec un petit strass au centre. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai une très jolie fleur, comme ça, un peu dure, métal, je sais pas trop, ou résine, en gris. Magnifique, elle est très belle, celle-là. Elle est très jolie. Voilà, je viens de trouver des petites choses comme ça. Donc pareil, c'est super bien emballé. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à ouvrir le paquet. Parce qu'au début, je me demandais ce que c'était. Et de plus près, c'est super joli. Je voulais essayer de vous montrer. Voilà. Regardez, c'est des petites fleurs strass, bleues et vertes. Elles sont très belles. Vous voyez? Ça, c'est vraiment... J'en ai pourtant, mais je sais pas, la matière doit pas être la même. Voilà. Elles sont vachement plus brillantes. Regardez. Regardez ça, comment c'est beau. Elles sont vachement plus brillantes que celles qu'on peut trouver chez Action. Donc ça, c'est génial. Génial, génial. Donc on rangera dans le paquet après la vidéo terminée. Je viens de trouver cette jolie petite fleur blanche.
Alors ça, c'est très sympa. J'ai énormément de mal à en trouver, pardon. J'en cherche et j'arrive pas à en trouver. Alors, et c'est dommage, il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est toujours intéressant et j'arrive jamais à en trouver. J'en ai une toute petite comme ceci. Voilà, toute simple. Très sympa aussi, ça. Ensuite, j'ai de nouveau des petites fleurs en papier que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'elles ont dû s'échapper du sachet. Donc, un petit peu dans les teintes de orange, rose, violet, marron. Ça, c'est super sympa aussi dans les créas. Voilà. Il y en a une autre marron ici. Ensuite, là, j'ai un petit peu des choses un peu dures, genre, je dirais, simili-cuir. Voilà, des fleurs qui ont été, je pense, coupées par elle. Voilà. Très sympa aussi, du simili-cuir, ça c'est génial. Voilà, dans les teintes automnales. Après, une jolie petite fleur rose toute seule qui se promène. Voilà. Un peu mousse. Deux grelots, un gris et un bleu. Voilà, petit grelot. Un très joli ruban rose avec un embellissement strass au centre. Ça, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Qu'est-ce que c'est joli, ça. Oh là là, regardez ça. Trop beau. Ah, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'aime bien. Voilà. Elle m'a mis un dé à coudre. Ça tombe bien, j'en avais pas. Voilà, un dé à coudre. Des fois, quand je découds quelque chose, c'est utile. Une très jolie petite fleur comme ça, il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une, ça doit être la dernière qu'elle avait. Et ensuite, je voulais vous montrer ces petites choses-là. Alors, c'est un peu mélangé sur les deux. Il y a beaucoup de petites fleurs blanches, un petit peu en tissu satiné. Voilà, il y en a un bon petit paquet. Et puis, je pense que ça doit être du simili-cuir vert également. Elle a fait comme des feuillages. Donc, à mon avis, elle a dû faire quelque chose avec. Elle en a trop fait. Du coup, elles sont arrivées chez moi. Donc, voilà le petit tas de petites fleurs blanches. Donc, super. Et donc, je vous disais qu'il y avait donc également, c'est du simili-cuir. Ça ressemble un peu à du feuillage. Donc, il y en a un bon petit paquet aussi. Parce que vous voyez, si on pose une petite fleur au centre, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà pour ce sachet-là. Donc dans celui-là, il y avait, oups, pardon, tout ça que vous venez de voir. Voilà. Ensuite, j'ai un sachet comme ceci avec plein de fleurs. Alors, je vous montre pas tout parce que... Bon, bah attendez. Si, je vais vous montrer. Je coupe là et je vous retrouve tout de suite pour une quatrième partie. À tout de suite!